bienvenue sur Contact Pro Live. Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour. Très ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour ce nouveau numéro, notre magazine d'information où nous vous apportons nos points de vue d'éclaircissement sur la constitution et les sous-bassements et la fondation même de notre pays. Nous sommes là, nous défendons les valeurs qui doit constituer tout Congolais. Nous essayons un peu de vous éclairer sur le fondement, sur ce qui peut être la fondation pour notre nation, pour l'élévation de notre pays. Messieurs et chers abonnés, et chers téléspectateurs, tous ceux qui me reçoivent, vous avez remarqué bien sûr l'absence de Contact Pro Live. Je vous le rappelle encore pour une énième fois pour ceux qui s'inquiètent de mon absence journalier sur le réseau. Je vous informe que nous sommes en train encore une fois de plus de monter quelque chose que nous lançons l'année prochaine. Donc cela nous prend du temps et ne nous donne pas beaucoup de temps à être sur les réseaux. Donc vous allez vraiment nous excuser. Nous reviendrons de temps en temps lorsque nous avons beaucoup d'éléments. Par exemple, aujourd'hui, l'actualité est abondante. Cette actualité confirme effectivement ce que nous donnons toujours comme fait qui nous fait reculer, le fait qui ne peut jamais faire avancer notre pays. L'actualité est abondante par les troubles, des mauvais côtés bien sûr, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Alors aujourd'hui nous parlons de quoi? Nous parlons de cette question-là, de déstabilisation de notre pays par les étrangers, du côté externe comme du côté interne. La perpétuation d'un régime qui a échoué, et que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui se cramponnent à faire avancer un véhicule dont les pneus ont été déjà troués, donc ça ne peut pas rouler. La piste même sur laquelle la route, cet véhicule que le dirigeant actuel veut pousser, n'est même pas en bon état pour que nous puissions dire qu'avec les mauvais pneus, nous pouvons rouler ou bien nous pouvons faire avancer notre véhicule. Je parle ici de notre pays. Donc, nous allons parler de tout ça, de l'attitude du président de la République et puis même des commanditaires de la guerre de l'Est. Nous procéderons aussi quelque chose sur la guerre de l'Est. Avant d'aller un peu plus loin, mes chers amis, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous reviendrons tout de suite après pour développer mes points de vue sur l'actualité. Et puis nous donnerons la solution à la fin. Parce que chaque fois lorsque nous faisons un magazine, nous vous donnons la solution. Qu'est-ce que nous pensons qui peut se faire et qui peut nous dégager de tout ce que nous sommes dans la boue dans laquelle nous sommes embourbés. Donc on revient tout de suite après la lecture de l'actualité. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Urgent à Ituri, 107 morts lors d'une attaque sanglante des rebelles à Djougou. Et puis à RDC Congo, hold up, le parti politique de Joseph Kabila brise le silence. Vous pouvez lire ça dans election-net.com. On va sur actualité.cd. Lucha demande au procureur général de la République de diligenter une enquête judiciaire rapide, crédible et exhaustive sur le fait grave contenu dans le rapport Congo Hold Up. Et puis, PPRD considère Congo Hold Up comme une attaque orchestrée contre Joseph Kabila et s'engage à réagir avec énergie.
On va sur Congo Profond, RDC Congo Central, 5040 tonnes de chaux produites artisanalement à Luozi chaque année. Des chiffres impressionnants et vérifiés auprès des fabricants artisanaux de chaux. Et puis EPST, la synergie syndicale des enseignants et des faucinates suspend la grève. 7 sur 7, attaque dans le parc de Virunga. Les assaillants sont des ex-membres du M23. Et puis Patrick Kayembe annonce pour bientôt la construction des directions provinciales de l'UNPP à Kisangani et à Bunia. On va terminer sur Radio Okapi. Kinshasa, grève des transporteurs privés pour dénoncer de nombreuses tracasseries sur la route. Et puis Nord Kivu, deux positions de FARDC attaquées par le présumé rebelle M23 à Rutshuru. Merci, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. La première des choses que nous allons parler de ça, Isaac Makambo Botuna Kingai. Je dois d'abord ici remercier tous les gens qui nous envoient de mails, les WhatsApp. On ne cesse de nous demander, de me poser la question, Germain, on a habitué où? L'actualité est abondante, tu ne dis rien sur tout ceci. Je vous rappelle encore une fois de plus que Contact Pro Live ne suit pas l'actualité. Nous ne sommes pas des gens qui suivent l'actualité. Nous nous donnons la solution. Nous, notre attention n'est pas sur développer l'actualité ou bien commenter sur l'actualité. Non, ce n'est pas ça notre objectif. Nous, nous sommes à la base. Comme je vous ai dit, nous nous sommes à la base, tout coco base, tout parce que principe ignesi tulionaka et que le principe que nous avions vu, principe au total à qui tolobi que non. Conscientiser peuple na base parce que ceux qui se sont dit qu'ils vont aller ils font la politique, ceux qui sont en train de se dire que non mo cannabis photo que ils ont pratiquement échoué. Sans l'implication de la base, rien ne pourra se faire. Alors les autres a comme on du côté extérieur, pour parler de ce premier point, on parle de hold up. Hold up. Pourquoi aujourd'hui cette histoire-là, cette enquête-là, Bandeko. Le fait que notre pays ne connaît pas, ne sait pas le chemin qui le mènera au développement, le fait que les dirigeants qui arrivent sont dans le bot de ces commanditaires-là, on tire les ficelles, on déstabilise le pays à chaque fois qu'on peut on veut voir que le Congolais va se relever, on va sortir un dossier. Et ceci avec la complicité des Congolais. Pourquoi? Où est-ce que Batuo Bazalaki Wapi pendant les 2 ans Oyo, ou bien les 2 ans Oyo, Félix Sazana n'a pouvoir? Bazalaki Wapi ne peut pas dénoncer Biloko Oyo. Est-ce que c'est quelque chose Oezako kota bakoti na nanani na étape moko oyo Félix azolinga se séparer na bango po babimisa ba biloko oyo? Est-ce que c'est pour fragiliser Félix qui profite na ba hold up oyo? Eza intérêt à nani? Bref, moi mon point de vue, je ne veux pas aller plus loin là-bas. Je vous dis que c'est une manipulation. Oyo bazo linga pe ba déstabiliser président. Donc attention na ye, parce que président a évité. Il ne sait pas quoi faire avec Kabila. Est-ce que c'est Kabila qui bloque tout? Mboka na biso kozanga ka développement parce que Kabila est en vie. C'est parce que nous n'avons pas justement des solutions autres à mettre en place. Alors comme on n'a pas de solutions pour distraire l'autorité, pour distraire le président actuel, on dit non, écoutez, il faudrait faire la chasse à l'homme. Que représente les 198 millions par rapport à tous ces autres millions qui s'échappent tout au long de l'année? L'Ouzolobambe à l'Obaka, ce qui 15 milliards et Zalakaïbime. Tilelo Oyo, cet argent-là part. L'État congolais ne récupère pas 15 millions par là. 15 milliards, ce qui 15 millions par là. L'État congolais ne récupère pas ça. Est-ce que 198 millions d'Ecosalis à Congo? Ça, c'est une question. Je vous laisse en tout cas
à vous de répondre, à vous aussi de réfléchir, parce que moi je ne vois pas, c'est un débat non lié, et ça n'a pas comme côté quoi avancer mon cannabis et pas mon côté. Donc et puis imagine-toi, c'est un média étranger, pendant 2 semaines. Est-ce que vous pouvez vous imaginer des choses comme ça? Ils vont parler de ça, ils vont faire des révélations pendant 2 semaines. Tout ça pour que le temps passe. Pour que mon konziamboka aza la concentré na babilo kwa solo o il fallait ko sala. Il est déjà détourné de l'attention ya ko sala musala o il fallait sengeli ya sala. Akobanda siko réflexion kobanda ko sala siko kaka ah ba tunini wana o ba ko kangamana. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter ces gens, il faut. Est-ce que c'est un motif ya ko sala campagne pour arrêter le raïs? Tout ça, nous devons nous poser la question. L'opportunité pour que cette histoire-là ait Bimasikoyo, je crois que c'est un débat non lié. Ça, la paix, nani, nakolobe la paix, angoli sous minité, parce que vous m'avez posé beaucoup de questions. Bah tu belé, bah tweeter ngai, bah tu belé, bah tuninga, bah DM na Instagram, bah zon tout ngai, mais qu'est-ce qu'il faut? Ngabi biloko wana, eza biloko ba mindele. Et je crois le président Félix sait. Batouana bazako bimisabilo kwana tina na yango eza nini. Dans les jours prochains, nous allons voir. Likambo eza kozala na CENI, deuxième déstabilisation en wana. Jusqu'aujourd'hui, nous avons vu la position du président de la République eza nango ndenge wana kaka, il a supporté un camp. Bandeko, je vous ai dit que mboka oyo tokoki ko dirigeant ngo na bulu yekete na kona batembete. On a fait comprendre au président de la République qu'il y a un camp qui gagne, il y a un camp qui perd. Et c'est un match à football, ce n'est pas un match de football. La reconstruction de ce pays ne se passera pas avec la bipolarisation de l'État. Oh, bah, toi, Moussous, Bazo, Vanda, Bazo, Tala, Bobino, Bossala. Oh, bah, tout Moussous, Bazo, Sala, Barobi, Toko, Sala, Bako, Sala. On fait entrer le président de la République dans un imbroglio de terrain où il y a la corruption, Mbongo Ebele, qui si président de la République, avec l'argent, tout peut se faire au Congo. Or, c'est cet argent-là, Nandenge Mbongo Ebele, à moi, n'est-ce pas embrouillé Bissot. Moi, je crois que le président devrait s'arrêter avant d'en le battre. Et là, on y a vraiment, Mboka na Bissot et Sengeli, et ça là, pour que. Jusque-là, le président de la République n'a pas cette réponse-là. Et comme il n'a pas cette réponse-là, qu'il ne pense pas que c'est l'opposition qui va lui donner cette réponse-là. C'est tout simplement à lui de chercher. Nabato baza pembeni naye, batu ya solo o baza animé pour que mboka na biso ebongama. Ne faut s'allier, likambo ba élection o na lobela ki yango déjà na lobi, ça ne vaut absolument rien. Tozomi kota na élection, bapa ya bangwana pe ba na déstabilisation mususu, parce que bazwa ki déjà yé président de la République en lui faisant voir que non, avec l'argent qu'il a, mbongo aza nango akosalisa ba élection, akosala biloko nyonso, akotonga ba biloko, ça ne sert à rien de construire toutes ces histoires là dans un pays où il n'y a pas de consensus, où Batubaza koyo kanate. Ba projet komyo ko banda osala lobi na kosala ba projet boy. Okosala ango na banani, ce sont les Congolais qui sont là. Mais si ces Congolais là ne se tiennent pas la main, ba projet wana mbongo ekosala nango eloko moko te. Et là, le président ne veut pas comprendre. Il a fallu, et il faut encore une fois de plus, chercher d'abord l'unité nationale. Batuba yo kanate, biso nyonso to loba langage moko, ke to banda koloba makambo ya mbongo. Nous sommes divisés déjà dans ma Kamboambongo. Alors, ici, regardez les actes. Il y a l'attitude du président de la République. Le président a quelle attitude? Quelle est la vision qu'il a pour ce pays? Est-ce qu'ils ont l'andabatu? Oh, baza koloba keno. Moka na biso eza na mbongo ebele. Il faut que Kambongo tokosala ba élection, tango koya ba toi. Ça ne changera absolument rien. Nous avons déjà eu 3 cycles des élections qui n'ont jamais changé quoi que ce soit. Par contre, notre pays continue à dégringoler. Pourquoi? Parce que nous ne touchons pas les bases des solutions dont je vais vous parler ici maintenant. Solution est à Nini Bande Konangai.
solution est nini pour na kosili sa makambo ya guerre kuna. Regardez comment est-ce que parlons-en un peu. Na likambo état de siège ba, à l'est de la République démocratique du Congo. Beni Boutembo, on continue à tuer tous les jours. Le peuple continue à être déstabilisé depuis que l'état de siège existe. D'autres parlent de 3000 morts, d'autres parlent même de 5000 morts, d'autres parlent des massacres qui s'est à perpétuer. Chaque jour, même hier, on a encore tué. Des centaines de morts ont été exécutés dans Katia Djouba, dans Djougou plutôt. Il y avait plus de 107 morts à Djougou. Là où il y a l'état de siège. Si quand on a eu des morts, on a eu des morts, on a eu des rebelles. Vous allez entendre un autre son de cloche où on est en train de féliciter non Moussa les Akosalem. Moussa la o les Akosalem les a perpétuité à ba massacre wana. Ce n'est pas que Moussa la Akosong qui s'appelle de Moutouezali. Non. Le peuple toujours continue toujours à vivre dans la psychose de la guerre. Et en plus de cela, au lieu que tous à la eloko moko to la te eloko a serie to le banon. Vraiment nous sommes en guerre, non. Et si position attitude du président de la République vis-à-vis de cet état de siège. Vous remarquerez que aussi Kabila à un certain moment tant ba bauma na banani ba ba banani ba 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 soldat oyo ya bambuza mabe ba mamadu ba sala ki ba combattant ki ba M23 ba beti ba monyo surtout à un certain moment. Comment ils ont dénoncé que non, tous ont gagné, mais ils ont dit qu'ils ont été commandés à Kinshasa. C'est pratiquement la même chose aujourd'hui. Si on a dit qu'on a été stoppé, on va négocier. Or, quand vous êtes en guerre, vous avez une option militaire. Vous avez une option militaire. Vous avez une négociation à cause de la soutien. Nous sommes aujourd'hui, tous on a la 13e prolongation, il y a état de siège. Quel est le. Est-ce que Batoubasi, Bayoki, Bayokani, Balobité, avancé, Zaboué. En tout cas, il n'y a plus de morts, ou bien Tozako avancé sur le terrain à Kokangabatou. Tous les chiffres que le FARDC ont avancé sont toutes fausses. Mais Nandenge Zabokoma, ça devient une loi. Et c'est là où on parle de la dictature, où les politiciens sont opposants, les lois sont là. Tout ça, c'est une dictature. C'est là où les politiciens de l'opposition prennent en se disant que non. Mokonzi va induire en erreur en disant que non, état de siège est kotika la kakawana. Et on commence à nous donner les périphériques de l'Union sacrée, commence à nous dire que non, côté ce qui est à Mali, ce qui est à Tchad, Kouna Baza, en état de siège depuis ce qui est 3 ans. Est-ce que nous sommes dans le même contexte? Oh, et qu'on est en gotile, parce qu'ils n'ont pas le moyen de terminer ça. Baza n'a moyen de réfléchir, n'a 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 basant la solution, c'est comme ça que dans le bac, Kabila aussi à un certain moment. Il a relaxé à l'obité, il a un avocat aussi de sa bilo côté. À ce temps-là, Kabila disait que non, tu as un or qui vous bango na bango kaka. C'est parce qu'il n'avait pas de solution. Bandeko, solution est simple. Le peuple à la base peut terminer cette histoire ici. Le peuple à la base. Peut terminer cette histoire. Et l'oko, il suffit qu'à Katolongwa na place Otozali pour na kosili salikambo. Alors, tokota la skoyo, tokozonge la ressource, parce que solution nango, la réponse nango, eza na katia solution, ta otozo kota na makambo a solution. Ba commanditaire ya guerre à Est, il faut baye banananu. Si nous voulons vraiment terminer la guerre à l'Est, nous devons d'abord savoir quadriller problème Zawap et Outiwap. Si nous voulons avoir des consensus à la CENI, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui fait à ce que Basango Bazakoyo Kanate ou bien pourquoi est-ce que cacophonie Oezana Congo?
Comment est-ce que nous pouvons terminer cette histoire ici? Que Tshisekedi ne compte pas sur l'opposition pour que l'opposition puisse avoir une solution. Oh, bino nyo soboya na union sacrée, poto sala, poto to sala la mboka. C'est là où vient la dictature. Tant que toza koloba awa, bah, na, na, na magistrature passée, on disait que non, il y avait l'histoire ici, il y a autorité morale. On avait crié que non, il y avait des gens qui respectaient quelqu'un d'autre. Mais nous, nous avons fait passer l'imbroglio. Même au niveau de la constitution, c'est là où nous sommes. Quand nous avions dit, quand la Cour constitutionnelle est libéra qui bah, député à prendre l'air, bah, liberté, na ba loi, na bango, bah, juriste, bah, ça, vous comprenez, regarde de quoi je parle ici. C'est là où on a augmenté la cacophonie, je dirais. Moi, je ne sais pas si c'est parce que la discipline est adite. Imagine-toi que les parlementaires maintenant, bah, tu as parlé, c'est là où il disait que non, bah, tu as autorité. Donc, ils deviennent des électrons libres. C'est pour cela, même cette corruption, bah, palissade, bah, mituka, elle est kaki na yango. Parce qu'ils sont devenus corruptibles. Donc, respect à la loi. Bango moko, ils ne peuvent pas se dire que non. Biso groupe na biso awa, idéologie na biso to sangani poto avant faire avancer telle idée. Non, ils ont été soutenus au Parlement. Ça, c'est la question. Et ça, c'est la réponse à Oyo. C'est là le mbilinga mbilinga. Les Congolais ne veulent pas se mettre derrière une idéologie en se disant que non, voici, bisonyo sotokota molaboye. Ah, ba Congolais tolingi koyo karate. Et c'est là le grand problème. Bon, si koutou banda akozwa kaba consensus ndengeni, regardez même dans les assemblées provinciaux comment est-ce que cacophonie zali. Nyo sotou ezo utaka ka place wana parce que désordre a été mis en. Donc, Wanande comme valeur. Les antivaleurs sont devenus des valeurs. Vous, Okoyo Kakaba Makamozo, les Canabas Assemblées provinciales, ils ont simbaté. Pourquoi? Puisque nous avons perdu ce sens-là, il y a respect, il y a ma parole, Nabiso, na ordre. L'ordre, ce n'est pas être des esclaves, non, ce n'est pas ça. Nous avons désacralisé l'ordre. Pays n'a pas su s'engager sous ordre zonga. Et kozonga si kondengeni, c'est là la question. Question zali, to kozongi sa ordre ndengeni. Pour que bisonyo zoto yeba, to utiwa pito zokende wa pito koma place to zokende ndengeni. Comment allons-nous arriver à avoir le consensus au niveau national? C'est pour cela que moi j'ai dit ceci, la solution est les états de lieu de territoire, dans ma petite territoire microscopique, il y a ma territoire, nous n'avons que 145 territoires. Le président de la République devrait prendre courage en disant, Bandeko, magistrature, ou bien 2 ans, ou etikali nangai. Avant que nous avons élection, il y a malam, et nous avons organisé une élection. Toyo Canada déjà, à partir de la base, comment nous allons renforcer nos administrations pour que tous les instances ordre. Mettons d'abord l'ordre au niveau des territoriales. C'est ça la première action que moi j'ai dit que Oyeko Kotisa biso na 4e République, Oyeko réécrire constitution à Sika. Depuis que j'ai commencé cette émission Bandeko Banda, ça va faire 2 ans aujourd'hui, deuxième année. Je ne prône que cette solution-là, qu'on puisse réorganiser la base. Bandeko, dans les 145 territoires aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller y investir avec cette formule. Paradigme à l'élo. Ça sera un imbroglio total. Il faudrait que Batuna Katia va 145 territoires wana déjà va s'approprier na mabele na bango ba yeba ninyango nani nde akozala boye
qui est crédible na kati ya 145 territoires. Chacun dans ce contrée na ba territoire toyeba eloko nini, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons apporter à la République. Et c'est là que doit commencer les réformes profondes, parce que les lots ce qui to lobe atato ke na justice. Tant que tu as un canaté, tu as un canaté, tu as un acharnement. Parce que personne ne respecte les lois. Nous tous les avons respecté la loi. Bandeko, je vais vous laisser sur les souffles. Na posa oyo. Parce que nous avons un loba babilo, comme on a un loba babilo, comme on a oyo. Il y a ma casse à koloba que non. Le grand problème, c'est là. Si le président de la République peut prendre courage en disant on ne pourra pas avancer dans le modèle Otozali, commençons à réfléchir à la base, comment est-ce que nous pouvons commencer à rediriger nos bases. Batounini en gros, la base, il faut base. C'est ça que nous disons, la rétrocession du pouvoir à la base. C'est ce que le père l'avait dit. Le peuple doit savoir se prendre en charge. Tant qu'un homme, un président de la République, sera là à télécommander l'Occident aussi aura un impact. C'est pour cela que vous allez voir, comme le président sait bien que non, pouvoir est en base été, pouvoir est en coût à poto. C'est pour cela qu'il se penche dans le voyage d'aller en Occident, aux zones où il y a des investisseurs. Pourtant, les investisseurs congolais ne peuvent que se mettre ensemble pour cultiver ma belle na bango. Et petit à petit, le développement peut venir de là. Vraiment, nous allons nous arrêter ici en espérant encore que nous allons développer ce sujet. Ne manquez pas cette semaine, ne manquez pas encore, je crois que ça sera mercredi ou jeudi, la suite de cette émission, parce que et ça, il y a un éclaircissement sur comment investir dans les 145 territoires, comment recommencer notre pays. Pays n'a pas besoin de développement. Même les dirigeants qui veulent diriger dans ce même système ici, et puis les autres qui seront comme des opposants feront la même chose. Et qu'on a la paix qu'à chasse à l'homme. Et qu'on a la cacao, bisoto bongi, si biso, bisoto yé nambon. Et qu'on simba kate, tant qu'il n'y a pas de consensus à la base. Et l'on komoko et qu'on simba kate. Je voudrais, avant de terminer, demander encore à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Parce que bato belé, bazako l'émission, oh le même basabona kate. Please, mes chers amis, abonnez-vous nombreux. Please, mes chers amis, partager nos émissions, parce que yango ne mutu eza kopesa ke nani na biso ezala na kwa. Merci beaucoup, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.